C'est incroyable ce qui se passe. Il est toujours en train de filmer. J'ai fait ça pour vous, le mec me chie à la gueule. Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore en Égypte pour un tournoi FIP Star. Donc c'est quand même un gros tournoi. On a gagné nos deux matchs de qualification pour se qualifier pour le tableau final qu'on va jouer cet après-midi. On est sûr avec cette qualification au tableau final de prendre au moins 3 points. Donc ça, ça fait plaisir. Je serai au moins à 35 points. Voilà. Et en cas de victoire tout à l'heure, on prendrait 2 points supplémentaires. À savoir que le top 200 mondial, il est à environ 100 points FIP. Donc voilà, j'ai une vraie encore 60, au moins 65 points à aller chercher. Petit à petit, on grappille. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère avec un bon résultat. Ouais, les gars, bon, on vient de rentrer à l'hôtel. On a mangé directement parce qu'on a vu qu'on est programmé directement en deuxième rotation après 15h30. Donc, ça veut dire si ça va vite, 16h30 ou 17h au plus tard, quoi, je pense. Et on a fini notre match à 12h30, le temps d'attendre la navette. Enfin, là, pour le coup, en Égypte, oh, j'ai pris des couleurs de fou. En Égypte, le club est plutôt sympa, mais l'organisation des navettes et tout, c'est vraiment pas ça. Et on perd un temps fou, et surtout qu'on a peu de temps pour récup. C'est pas le top, mais bon. Mon petit Bastima filait un peu sa boisson de récup, là. Donc je vais tester ça, parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'énergie ce matin. Entre le fait de jouer plein soleil, le fait de jouer un pote, et le fait que ce soit long, ça m'a bouffé de l'énergie, même mentalement, surtout mentalement. Je vais me doucher, je vais faire une petite sieste, et après, d'ici deux petites heures, même pas, on doit déjà être au club, au cas où le match d'avance se finisse vite. Allez, vamos. Pour le coup, je vais tout de suite préparer ma petite boisson pour l'effort. Voilà, je vais choisir ce petit goût-là aujourd'hui. Hop. Et quand je joue, bah, je fais deux gorgées de ça, deux gorgées de normal. Et c'est parfait. Si vous aussi, vous voulez une petite boisson pour l'effort, vraiment, c'est vraiment top. J'ai deux codes promo qui permettent d'avoir une réduction sur votre première commande et l'autre, d'avoir une réduction sur toutes les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est de la très très bonne qualité. Il y a plein de bienfaits. C'est vegan. Il y a pas mal de trucs très sympas. Regardez, ça donne une couleur super sympa et au goût, pour le coup, c'est très très bon. Ils ont d'ailleurs, si vous voulez, un pack découvert avec pas mal de goûts différents. Et comme ça, avant de commander un plus gros pot, vous pouvez choisir le goût que vous préférez. Franchement, c'est top. De retour dans notre petit club à Il Bosco. Hein, on est dans le tableau des stars. Kebab à droite. Tableau final. Fait plaisir. Fait plaisir. Bon, bah, ça va être à nous. Niveau fatigue, ça va. Il fait encore très chaud, mais il y a un peu de vent. Donc, on va voir ce que ça va donner. On joue Cordoba Nogueras. Donc, Nogueras, bah, je le connais plutôt pas mal. Je m'entraîne avec lui. Cordoba, je connais pas trop. Et comme d'hab, les gars, un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je nous souhaite un bon match. Début de ce premier tour du tableau final. Du coup, 16e de finale contre deux Espagnols. Cordoba, le joueur de droite, numéro 90 à la FIP. Et Nogueras, numéro 140 à la FIP. Début de match plutôt normal, voilà, chacun gagne son service jusqu'à 2-1, où là on est à 15-40 sur leur jeu de service, première petite frayeur pour eux. Et après cette volée directement dans la vitre, on break et on mène directement 3-1, puis ensuite 4-2, et là c'est à nous de sauver une première balle de débreak. On perd le filet, malheureusement celle-là je vais pas la volailler, je fais une bonne barada et après je reste derrière et au final bon bah ils s'en sortent et débreak dans cette première manche. Et après ça devient difficile pour nous, on est à 4 partout sur notre jeu de service, point décisif. Donc là on va pas prendre beaucoup de risques, Bastien qui vient coller, très bien, dommage qu'il la fasse pas sortir. Moi je me fais bien lober, je prends pas beaucoup de risques, je vais venir pousser pour garder le filet. Et après une très belle fin de Bastien, on tourne à 5 jeux à 4 pour nous. Rien de bien intéressant jusqu'à 6-5 pour nous. Voilà, 40-30 sur leur service. Dans ce match, on a essayé toujours de lober pas mal au milieu le joueur de gauche ou sinon de venir beaucoup, beaucoup en bas. Parce que, bah voilà, en volée avec Bast, on est quand même vraiment bien. Donc c'était un peu l'objectif. Malheureusement, on va arriver à ce premier tie-break dans ce set. Et voilà, on commence, on est à 1-0 pour nous. Et vous l'avez vu, dès que c'est difficile, je viens jouer en bas. Et par contre, dès que j'arrive à bien lober le joueur de droite, c'est là où je viens coller. J'aime bien faire ça. Je me sens bien dans ce schéma-là. Avec Bastien, on joue plutôt bien comme ça. Même si, voilà, j'arrive à plutôt bien défendre. On joue dehors, donc forcément les volets remontent un peu plus. C'est plus difficile de faire des volets gagnantes. Donc voilà, pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise en défense. Très beau par 3. Et ça nous fait 2-0, petit mini break, malheureusement on va pas le garder. On est tout de suite à 5-4 pour nous, par contre c'est à eux de servir. Et voilà, je défends encore plutôt bien, alternez beaucoup avec une balle en bas, ensuite un lob pour essayer de trouver les pieds. Moi j'ai essayé de lober beaucoup en fait l'épaule gauche du joueur de droite, ça me permet de ne pas prendre des,
Des Vibora à 10 000 quand même. Bastien très présent. Monstrueux, ce qui nous permet d'être à 6-4. 2 balles de 7 dans cette première manche. Nogueras au service. Je fais un très très bon lob au milieu. On vient reprendre le filet. Et cette Barada qui sort. 7 jeux à 6 pour nous dans cette première manche. Tout de suite, un peu comme les matchs précédents. Voilà, ils gagnent leur jeu de service en début de deuxième. On est à 30 à sur notre jeu de service. Forcément, c'est compliqué. Il fait un très très bon smash. Donc voilà, une balle de break à sauver. Et on se fait breaker et ça défile ensuite. On est déjà à 4-1 pour eux. 2 balles de double break. Et voilà, on a toujours ce petit coup de mou en début de deuxième. Alors pourtant, justement, pendant ce match, on le savait. Et je m'arrache sur ce point. Et bon, c'est encore arrivé. C'est dommage. Et voilà, 5 jeux à 1 pour eux. Ça défile assez vite. Déjà 40-30 sur leur jeu de service. Et faut vraiment qu'on se reprenne tactiquement. Là, vous avez vu, on essayait de venir un peu plus au filet. Comme dans le premier set, ça avait bien marché de venir en volley-volley, bah, ce qu'on s'est dit, c'est devenir beaucoup plus en chiquita ou alors fort sur eux pour ensuite venir volleyer. Très belle sortie de Nogueras, malheureusement. 6 jeux à 1. Troisième manche. On gagne notre premier jeu de service et tout de suite, pour le coup, on est à point décisif sur le leurre. Heureusement que le joueur de droite rate complètement son smash. Ça nous permet de reprendre le filet. On garde ce filet, je fais un bon smash malheureusement qui sort pas. Et après par contre je suis vigilant, ce qui me permet de breaker 2-0 dans cette troisième manche. Tout de suite on est encore à un point décisif, je sais pas combien il y en a eu dans ce match mais il y en a vraiment eu beaucoup. Je me fais lober, je prends pas trop de risques ici au-dessus de la tête d'essayer d'énormément varier. Avec soit des smash au milieu, soit des smash croisés, de venir de temps en temps aussi long de ligne, parce que le joueur droit défendait quand même vraiment très 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 bien. Malheureusement, ça, je laisse passer. Je voulais vraiment vraiment pas rater. Oh là là, les volées sont flottantes. Hein. En barada, je viens quand même sur celle-là où je peux vraiment essayer de venir la volayer. Quelque chose qu'il va falloir que j'améliore, parce que malheureusement, on reste derrière et ils finissent par un smash gagnant. Ils débreakent dans la foulée. 2 jeux à 1, 2-2, puis encore une fois, ça tourne un peu. On est à 40 à sur notre jeu de service. À chaque fois, c'est par période. Soit ça vient, c'est pour nous, soit c'est un peu plus pour eux. En tout cas, ça tourne vraiment très vite. Et là, les balles commencent à être mortes. Vous avez vu, le soleil se couche. Donc, bah, ça sortait vraiment plus beaucoup. On se faisait vraiment poncer au-dessus de la tête et ça devenait vraiment compliqué. La preuve, dès qu'ils jouent beaucoup trop en bas, c'est plutôt nous qui gagnons les points. 3-2 pour nous et là, 30-40, 2 balles de break avec le point décisif. Encore une fois, on essaye de jouer en bas. On les manœuvre vraiment bien. On vient récupérer le filet. Et Bast qui varie, malheureusement, il ne trouve pas la bonne zone. On est vigilant, on garde le filet. Très très bon lob de leur part. Je vais en barada. Quel volet incroyable. Je ne peux pas dire, je tombe. Et Bast qui couvre très très bien. C'est vraiment ce qu'il adore. Hein. Tout ce qui est contre ce match, il les fait vraiment très très bien. On break là-dessus. 4 jeux à 2 pour nous. Et tout de suite, le punto de oro, le point décisif. Et après un lob un peu court, je viens prendre ma chance en ce match. Et je peux vous assurer que c'était pas facile parce que les conditions étaient vraiment plus lentes. Et pour y aller sur ce match-là, c'était pas le choix le moins risqué. En tout cas, on est quand même à 5-2 pour nous. Avec une sortie monstrueuse de Bast. 15-30, puis 15-40. 3 balles de match. 3 balles de match pour nous. Forcément, je décide de faire le schéma que je préfère. Voilà, venir lober, venir coller. Et au final, on prend ce filet. J'ai un match plutôt simple que je rate un peu, mais eux, ça va quoi faire. Et on s'en sort dans ce match. Victoire 7-6, 1-6, 6-2 dans ce premier tour du tableau final. On serait pas en huitième de finale, non? Putain, huitième de finale. Après avoir gagné 7-6, 1-6, 6-3. 6-2 même. 6-2. 6-2 sur Nogueras Cordoba qui sont 90 et 140. On a fait un très très bon match. Très 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 bon match. Très très bon match. Très bonne attitude surtout. On a essayé de rester positif tout le temps. Pareil, on a
ce petit coup d'un tout petit peu moins bien dans le deuxième. Et encore, on a des occasions en tout début de deuxième et c'est eux qui les font. Mais non, franchement, c'était bien. On a fait un très bon match. Moi, ça fait plaisir de revenir à un bon niveau là. Putain, après ma blessure et mon opération et tout le bordel là. Grave, même moi. Là, moi, ça me fait plaisir d'enchaîner les victoires. Set, il a tout tapé alors que les conditions avançaient pas et c'est très fort parce que. Ah, surtout que. Moments comme ça avec peu d'expérience que t'as encore sur le circuit, t'as tout tapé. Et moi, j'ai bien défendu. T'as fait un match de king. Toutes mes contre-attaques, elles étaient vraiment bonnes. Exactement. On a fait un gros premier set 7-6. On a le break et tout. Au deuxième, on a balle de break au premier, on les fait pas. Ouais. Et ça les remet un peu en confiance. Et nous, on lobe un peu moins bien après. Et on fait pas trop de fautes au second moment. On lobe un peu moins bien. Et au troisième, on arrive à breaker rapidement à 4-2. Et on finit à 6-2. Exactement. On a fait un gros bon match. Super et surtout, je reviens. Enfin, moi, dans le troisième, je reviens avec un peu plus d'agressivité. Ouais. Je viens le bloquer. Je viens le mec à droite. Je viens le lober. Je viens bloquer au filet. Je viens taper beaucoup plus long de ligne. Et... Ouais, non, j'ai bien tapé dans le troisième. Je suis content parce qu'en plus, je me sentais pas hyper bien au-dessus de la tête et j'ai bien tapé quand il fallait. Ah bon, ça c'est pas vu. Ah si quand même. Non, je rigole. Non, c'était t'avais envie d'envoyer tout le temps. Ouais, en fait, j'ai cette dehors mais les gars, c'est un truc de ouf, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit dès qu'il y a une volée un peu haute ou un smash un peu simple, je me dis "Vas-y, vas-y", mais j'ai l'impression que le barème risque, il est élevé de dingue. En fait, comme il y a du vent, la balle elle bouge derrière moi, donc si on centre pas bien, c'est mort. Tout est plus dur, donc, putain, c'est une boucherie. Mais bon, c'est cool hein, on l'a fait hein. On l'a fait. Putain. C'est bien mon gars. Bah moi, on a un bon match demain. Repos, et 8e douche, repos et 8e demain matin. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable, frérot. Ah, là, ça joue un ballon, là. Ah, c'est mythique, quand même. It's perfect. Yeah. Là, les gars, le room service, il fait plaisir. Après avoir bouffé 5 fois au resto italien, une fois à l'égyptien, on a petite tomate avec mozza en entrée. Penne, poulet, s'il te plaît, Bastien Blanquet. Hein, on se tait. Il est toujours en train de filmer. Bah voilà, je fais ça pour vous, le mec me chie à la gueule. Vous avez vu ça un peu? Penne, pesto, poulet. J'en étais que tu vas t'asseoir et on va manger. C'est mythique, je vais le déchirer, j'ai une faim. Oh là là. Salut les gars, on a bien mangé. Là, je vais faire gros dodo, je regarde mon dernier épisode de The Night Agent. Vraiment, j'ai pas envie de perdre des points de vie sur ce dernier épisode. Et demain, on va tout donner. On va donner nos dernières forces. Vamos! Ouais, l'équipe, nouvelle journée. Ah, je vais pas vous mentir que j'ai quand même mal dans beaucoup de parties du corps. Voilà, ça pique. Au niveau des adducteurs, je suis pas loin de cramper. Cette nuit, je me suis réveillé, j'ai cru que j'allais cramper. Par contre, qu'est-ce qu'on dort bien dans cet hôtel? C'est fou, hein. Puis là, ça fait plaisir. On est tableau final. Du coup, on a la chambre qui est prise en compte pour une fois. Sinon, on payait 90€ par personne par nuit. Donc, ça fait mal. Là, c'est cool. C'est pris en charge avec le petit déj. Donc, non, là, c'est top. Je vais tenter pour la première fois le petit déj ici. On l'avait pas trop fait. Il était assez cher. Ça fait bien plaisir. Je vais quand même me dépêcher parce que là, il va être bientôt 9h. On a un match à 10h30. Donc, faut que j'ai le temps de digérer un minimum. Basti, il mange pas beaucoup. Il boit juste un café, je crois. Allez, hein, on va voir ce que ça donne, ce petit déj. C'est quand même mythique, ce petit déj. Il y a quand même pas mal de choses salées. Et là, il y a quand même des sushis. Qui veut des sushis au petit déjeuner, les gars? Ça va être saucisse, omelette et quelques gaufres quand même pour pobier le côté plaisir. Il y a beaucoup de choses que je mangerai pas quand même dans ce buffet. Bien arrivé au club, les gars. Voici notre piste du jour. Terrain numéro 3. On a une grosse demi-heure pour s'échauffer. Je vais bien m'échauffer parce que musculairement, là, ça fait un peu mal. Ça pique. C'est notre piste du premier tour de qualif. Donc, on la connaît un peu. Début de ce 8e de finale dans ce Fipstar du Caire. Et cette fois-ci, on joue des joueurs encore meilleurs. Deux Espagnols, top 80 et top 100 FIP. Donc, forcément, c'est encore plus dur. Ils sont en tête de série 5 dans ce tournoi. Mais bon, au final, on a des très bonnes sensations. Physiquement, on sent plutôt bien, et puis surtout eux, ils ont beaucoup moins de matchs que nous dans les pattes, donc au final on a l'avantage des conditions de jeu. On gagne notre premier jeu de service plutôt facilement et tout de suite balle de break pour nous. On est à 30-40. Ils sont pas rentrés très bien dedans. Très belle barada de Bastien qui nous permet de breaker 2-0 pour nous. Par contre, tout de suite 15-40 sur notre jeu de service, et là ils nous font beaucoup plus jouer. Surtout ils ratent beaucoup moins. Je fais un très beau par 3 en revers, assez monstrueux. On est à 40A, on revient à 40A, point décisif. Et pour le coup, eux ont essayé de beaucoup nous lober, beaucoup plus que nous. On se gêne, dommage, ce qui permet de débreaker. On se retrouve tout de suite à 2 partout. Bon, par contre, après, on reste solide sur notre jeu de service, 40-0. Et vous le voyez, eux qui nous lobent vraiment beaucoup. Nous, au contraire, on essayait de jouer plutôt en bas, finir en volée ou en chiquita. C'est là où on était vraiment, vraiment bien. Et pour le coup, on défendait très, très bien en bas. Dans ce match, c'est vraiment ce qu'on a fait le mieux.
Bastien qui varie très très bien son smash, il n'a pas fait beaucoup long de ligne et comme le mec vient de reculer, c'est très bien joué. On se retrouve à 4 partout. Attention, point décisif sur notre service. Un gros smash de Bastien qui ne peut pas être contré. On tourne à 5-4. 5-4 et 40-30 sur leur jeu de service. Voilà, vous l'avez vu, on essaie de retourner assez bas. Par contre, si on est dans le terrain de lob, malheureusement, le lob est un peu court. Voilà, les mecs reviennent du coup à 5 partout. 6-5 pour nous, 40-30 sur leur service. Donc, pas d'inquiétude. On défend toujours, toujours assez bas. Bastien qui met beaucoup d'intensité. J'essaye de le suivre, de faire ce que je peux. Là, on a une balle qui remonte un peu. Il vient tiquer avec la latérale et tout de suite, on monte très vite au filet. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on a marqué nos points. Et on revient à 40A. Balle de 7, première balle de 7 pour nous. Point plutôt important. Bastien qui retourne très bien, qui vient au filet. Je le suis. Et il rate 7 jeux à 5 pour nous dans cette première manche. Assez incroyable sur le papier. Attention, tout de suite, comme on a l'habitude dans ce tournoi, on est très vite inquiété. On est tout de suite à point décisif sur notre service. C'est le premier jeu du deuxième. Bastien qui se fait vraiment lober, c'est difficile. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent. Très très dur de se matcher. Il vient en barada. Les mecs passent toujours au-dessus de la tête. Et malheureusement, il force un peu et on prend un contre en par 3. C'est un peu dur, mais bon. On est très bien directement dans ce jeu de retour. Encore une fois, on est à Punto de Oro. Malheureusement, là, je ne suis pas très bien placé. Et forcément, après, bon, il fait une très belle volée de revers qui m'arrive dans les pieds. Mais bon, je ne dois pas être placé ici sur le terrain. C'est une erreur de ma part. Et là, du coup, ça défile un peu. On commence à sentir que physiquement, ça devient difficile. Bastien qui force un petit peu quand même en ce match. Et on est à 4-1, double break, puis 5-1. 40-0 sur notre service quand même, mais bon, c'est vraiment difficile. Le joueur de gauche avait une qualité de lob assez monstrueuse. Je pense qu'il n'a pas raté un seul lob. Et pour le coup, ça fait vraiment la différence parce que ça nous fatigue vraiment de devoir faire avant-arrière à chaque fois. Bon voilà, un deuxième set assez rapide, 6-2 pour eux. Bon après, on se dit qu'on a l'habitude, mais physiquement, on commençait vraiment à être dans le très très dur et eux pour le coup avaient deux matchs en moins et ça se ressentait vraiment. Même si Bastien essaye là en début de deuxième de mettre un peu plus d'intensité, on essaye de venir comme on avait fait dans le premier, beaucoup plus en volée. Là on voit qu'il met une belle intensité et qu'il n'arrête pas de faire avant-arrière. Il touche beaucoup beaucoup de balles. Et les mecs ont voilà, cette faculté à vraiment pas rater et à nous déplacer à chaque fois en fait. Forcément c'est assez difficile et sur la première balle que j'ai à toucher, je la rate malheureusement. On est quand même à 40-30 sur notre jeu de service, on se dit peut-être qu'on reprend le fil de ce match. Si vous l'avez vu encore une fois, il lobe beaucoup, heureusement qu'il lobe un peu court, ce qui nous permet de prendre la tête de cette troisième manche. Malheureusement, bon, il gagne leur jeu de service très très facilement et on se retrouve à 0-30 sur notre jeu de service avec vraiment pour le coup plus du tout de solution presque. On sentait que là ça devenait vraiment difficile. Encore une fois, une qualité de lob vraiment très très bonne. On n'arrivait pas à faire la différence surtout offensivement parce que c'est là où on a pêché, où voilà, il y avait beaucoup, on s'est fait contrer énormément de fois en ce match. Et forcément, plus la fatigue était là, plus on se faisait contrer. 3-1 seul break, mais on est déjà à 0-30 et là ils viennent, forcément ils prennent confiance, ils viennent en voler, ils ont quand même un très bon toucher, donc forcément c'est compliqué, dès qu'ils sont un peu en difficulté, ils viennent avec un très bon lob et ça nous fait malheureusement rater. Et on va tourner à 4 jeux à 1, puis 5 jeux à 1, 30-40 sur notre service et du coup 2 balles de break de leur côté. Vous avez vu au niveau de l'intensité, là on y est beaucoup moins et sur une dernière faute, on s'incline 5-7, 6-2, 6-1 dans ce 8ème de finale après un tournoi quand même très 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 bon. Bon l'équipe, on se retrouve à l'aéroport. Malheureusement, on s'arrête en 8ème de finale. Ouais.
4-6, 6-2, 6-1. On fait un premier set monstrueux quand même. On joue très très bien ce premier set. On gère bien les moments importants. On a plus de 2 roi 5-4. On va le chercher pour le coup. Je crois qu'on a tous les deux au filet. On leur met la pression et on joue vraiment bien. Ouais, et surtout, on mène 2-0, on a le break. On commence très bien le match. Oui, on commence très bien le match. Là, notre tactique, elle est claire. Et on fait vraiment un super match d'intensité, volée, smash, défense et tout. Ouais, pour le coup, par rapport au match précédent, je trouve que le niveau de jeu était vraiment plus élevé. Ouais. Plus élevé. Et en plus, il fallait un peu plus aller les jouer en volée-volée, ou venir un peu plus bas. Quoi. C'est vrai. Avant, on s'embêtait pas trop, on l'obède, etc. Ouais, c'est simple. Là, je trouve que dès qu'on venait en volée-volée, on était plus fort qu'eux. Complètement. Ouais. Et après au deuxième, on se fait breaker d'entrée. D'entrée, alors qu'on est à 40-30. Ouais. Là, je fais une volée de merde et tu forces un peu le smash. Ouais. Ça tourne un peu, il y en a deux balles de break, on les fait pas. Deux balles de break. Et là, ça tourne un peu, il est beaucoup mieux. Oui. Moi, physiquement, je commence à rentrer dans le dur, mal au coude et tout. Et ouais, là, ça commence à être dur. Là, c'est dur. Le joueur de droite, il a pas fait grand chose, mais il a toujours le bel acier. Toujours très bien. C'est incroyable. Parce que franchement, on jouait quand même un peu de vent, un vent vraiment de face. Et pour bien lober, c'est dur quoi. Tu changes de côté tout le temps et le mec a très bien lobé du début à la fin. Ouais. Après, peut-être qu'on a moins bien volé aussi. Oui, peut-être aussi. Après, on a essayé d'orienter vers l'autre, plutôt le joueur de droite. Et le truc, c'est qu'on se disait, bon, première volée, on essaye d'orienter le joueur de droite, qui défendait un peu moins bien, qui faisait un peu moins balle. Mais le problème, c'est que dès le retour, ça lobait. Le retour, ça lobait et c'était de plus en plus dur parce que si on n'est pas bien sous la balle, c'est dur de finir un match. Au final, ils nous ont un peu poncé quoi. Ils nous ont poncé, ils n'ont pas fait de faute. Et ils ont bien joué la troisième. Hein. Ouais. La troisième, physiquement, ils avaient beaucoup plus de fraîcheur que nous, ça sent bien dans le jeu. Ils étaient en quatrième match, ouais, ils étaient 30 degrés. C'est le côté négatif de rentrer en qualif. On manque de fraîcheur sur le troisième pour mettre un petit coup de collier parce que. Il y avait vraiment une place de. Ouais, il y avait vraiment une place de gagner, je pense. Vraiment. À la fin du premier, je pense qu'on sentait bien, on sentait bien. Mais bon, voilà. Bon, c'était quand même un beau tournoi. C'est un très bon tournoi, très bon résultat. On a passé 3 tours, on fait 4 matchs, le niveau de jeu est très bon. Moi, je reviens bien, je suis content. Toi, tu redécouvres un peu ce niveau-là. Mais oui, hein, moi, c'est la première fois un peu que je joue des joueurs comme ça. Donc, non, c'est cool. C'est cool. On a fait 3 belles victoires, dont une très belle hier. Ouais, et même ce matin, le match est bon. Oui, le match est bon. Et on repart avec des puntos. Et ouais. 5 puntos chacun, parce que c'est 4 points normalement en Fipstar au deuxième tour. Comme on vient des qualifs, on a un point bonus. Ça fait 5 et un peu dessous. Je pensais que c'était 180, finalement 140. Ouais, 140€ chacun. C'est pas mal. C'est le début de la richesse. C'est le début de la richesse. Bah les gars, on prend ce qu'on peut. Là. Franchement, jusqu'à maintenant, on avait pris 0€, un point par tournoi. 5 en vrai, c'est bien. Hein. Et beaucoup de défaites, et là, on gagne des matchs. C'est le début. C'est peut-être le début de quelque chose. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé ces vidéos. On aura tout donné sur le terrain. Je pense que vous le voyez à nos têtes. On est un peu rouge. On a laissé pas mal de choses sur le terrain. Mais bon, c'était super sympa. Merci à toi, mon Bass. C'était cool de partager ce tournoi avec toi. Ça continue, surtout. Ben oui, ça continue, évidemment. Si tout se passe bien, le week-end prochain, on est à côté de Malaga. Je sais plus. Voilà, exactement. En Espagne pour un FIP promotion. Donc j'espère qu'on va bien récupérer. Ça va bien se passer pour aller à ce tournoi la semaine prochaine. Merci à tous. Le petit like si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.